Un outil pour évaluer par compétences au lycée. Parce que évaluer par compétences, ce n'est pas du hasard, c'est une réflexion pédagogique. Pourquoi un outil? Pour le lycée, il n'y a pas d'outil facilement disponible. Utiliser quelle que soit la discipline. Un outil que j'ai mis au point et testé depuis 2 ans avec tous les professeurs de la classe de seconde participant à ce projet pédagogique. Un codage de compétences ABCD avec un code couleur permettant une visualisation rapide des progrès et des compétences à améliorer. Le fichier est protégé. Toutes les cases rouges sont protégées et cachées. Elles comportent les formules et les reports d'informations. Mais voici le mot de passe, EVAL en majuscule. Le fichier comporte plusieurs feuilles avec un code couleur afin de faciliter l'information vis-à-vis des parents. Chaque trimestre est découpé en mi-trimestre avec 4 évaluations possibles par mi-trimestre. Tout d'abord, saisir dans la feuille nom les noms et prénoms des élèves qui seront reportés automatiquement dans toutes les autres feuilles. Puis dans la feuille Params, saisir dans les cases en gris les pourcentages de réussite qui vous conviennent. Les paramètres peuvent être différents d'un trimestre à l'autre. Complétez ensuite le nom de la discipline. Selon un choix pédagogique, ABCD correspond à 3, 2, 1, 0. Après discussion avec les élèves eux-mêmes qui ont estimé que D signifiait ne rien avoir fait ou ne pas avoir rendu son travail. Ainsi, dès que l'élève a essayé et a au moins 10% de réussite, il a C. Premier cas de figure, évaluation par points convertie en codage de compétences ABCD. Dans la feuille points, rentrez le nom de l'évaluation ainsi que les points attribués au cours de ce contrôle de cette évaluation pour les élèves. Dans la feuille mi-trimestre, le nom de l'évaluation est reporté automatiquement. Coefficientez le devoir ainsi que chacune des compétences. Maintenant, rentrons les points pour chaque élève. Il n'est pas nécessaire que toutes les compétences soient utilisées dans chaque devoir. Ces points seront convertis en grille de compétences dans la feuille mi-trimestre. Une note est calculée à partir de ces compétences. Il n'est pas nécessaire de la communiquer aux élèves. Deuxième cas de figure, une évaluation directe en codage de compétences ABCD. De la même façon, rentrez le nom du devoir qui sera automatiquement complété dans la feuille mi-trimestre, puis rentrez les coefficients du devoir et les coefficients de chaque compétence. Dans la feuille points, notez le coefficient 3 pour chaque compétence évaluée, puis codez pour chaque élève selon sa réussite 3, 2, 1, 0. Pour chaque évaluation, comme la dernière fois, il n'est pas nécessaire que toutes les compétences soient utilisées. Dans la feuille mi-trimestre, complétez le coefficient global de chaque compétence pour le mi-trimestre. Puis, remplir les appréciations pour chaque période. La feuille bilan se remplit automatiquement. C'est ce bilan que nous distribuons aux parents toutes les 6 semaines. Le bilan de mi-trimestre 1 se reporte dans la feuille de trimestre 1 et on peut le pondérer. Ainsi, si on veut privilégier la notion d'évolution des élèves, on peut pondérer le mi-trimestre faiblement, de manière à ce que la deuxième partie du trimestre soit plus importante. Remplir les points et les appréciations de la même façon que pour la première période. La feuille année
se construit automatiquement en fonction des bilans de chaque trimestre. Il reste à remplir une appréciation pour l'année. Et la feuille Récap permet d'avoir un rappel des compétences, des moyennes ainsi que des appréciations de chaque période. Merci.